Alors vous, que l'on appelle encore aujourd'hui Monsieur le Premier ministre, vous squattez encore les unes, et je me trouve en face de vous, un homme politique au regard juvénile, incroyablement actif, toujours en quête de nouveaux combats foisonnants d'idées et de projets sillonnant le monde, et qui aimait, à une certaine époque, à s'évader dans son planeur pour regarder l'espace politique d'en haut. En effet, vous avez toujours été au front de l'activité politique. Et étudiant, donc passé par l'ENA, vous avez adhéré aux étudiants socialistes et à la SFIO, dont vous avez occupé le poste de secrétaire national entre 1954 et 1956. En 1958, vous avez quitté le parti et fondé le Parti Socialiste Autonome. S'ensuit votre collaboration à la création du Parti Socialiste Unitaire. Et vous vous faites connaître en vous opposant à François Mitterrand et en refusant de vous rallier à son parti, la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste, et en devenant secrétaire du Parti Socialiste Unitaire entre 1957 et 1960... Du Parti Socialiste Unitaire entre 1960... Unifié, oui, pardon. Le stress, tout ça. Pardon. Entre 1967 et 1973, mais vous aimez également manipuler la plume, puisque vous êtes écrivain. Oui, en effet, vous avez écrit deux ouvrages très récents. Alors, l'un paru en 2010, si ça vous amuse, et un petit peu plus récemment, La gauche n'a plus le droit à l'erreur, qui est le récit d'une action multiple et continue répondant à un besoin de transmission. En effet, vous précisez que de ce que vous avez fait, finalement, nous n'avons à peu près rien retenu, car rien n'a été relaté. Donc nous ne savons pas grand-chose de vous, finalement. D'ailleurs, je signale que dans l'Assemblée, hein, la majeure partie des personnes n'était pas encore née lorsque vous étiez, Premier ministre. Donc c'est un bon prétexte, finalement, pour revenir sur les éléments qui ont marqué votre carrière politique. Oui, votre carrière, comme le dit Loïc, du moins ce que l'on en sait, reste très impressionnante, donc avec votre participation aux événements de mai 68, mais également et notamment votre fort engagement au Parti Socialiste et en votre poste en tant que maire de la ville symbolique de Conflans-Sainte-Honorine font que vous êtes devant nous un grand homme de la politique. Aussi notable, vos deux refus d'affronter François Mitterrand. En effet, vous êtes parti de la campagne présidentielle, mais ce n'était que bonne chose puisque vous en êtes sorti ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, puis ministre de l'Agriculture et enfin, en 1988, Premier ministre. Alors, vous avez également été, pendant votre mandat, vous avez réglé des conflits en Nouvelle-Calédonie, vous avez mis en place le RMI et vous avez aussi instauré la CSG. Donc la contribution sociale généralisée. Et plus récemment, vous avez été au poste de sénateur des Yvelines, puis au poste de député européen, puisque Lionel Jospin vous avait demandé de choisir entre ces deux postes. Alors, Michel Rocard, une première question. Pourquoi avez-vous choisi d'être député européen plutôt que sénateur des Yvelines ? Je me suis trouvé les deux à la fois. Oui. C'était déjà mal vu. Et puis surtout, j'ai devancé l'appel. C'est devenu impossible maintenant de par la loi. Mais la loi qui a créé l'incompatibilité entre ces deux fonctions est bien postérieure. Je sens que j'ai démissionné avant. Ma raison principale, c'est que le Sénat était à cette époque, c'est moins vrai maintenant, une maison extrêmement ennuyeuse. Le Parlement européen, c'était beaucoup plus vivant et beaucoup plus actif. Parfait, c'est une réponse courte. Parfait, donc, voilà, nous venons de parler un petit peu de votre passé, mais je sais que vous êtes surtout mû par la volonté d'apporter des éclairages nouveaux. Car, vous le disiez lors d'une interview, la nature vous a doté de neurones un petit peu particuliers, et ils sont d'une assez belle agilité quand il s'agit de parler d'avenir. Donc rassurez-vous, Michel Rocard, nous allons tout de suite parler d'avenir, et la parole sera vraiment à vous sur... des thématiques actuelles. Donc déjà, j'aimerais revenir sur votre souhait d'apporter des éclairages nouveaux. Vous êtes aujourd'hui intellectuellement aux prises avec le réchauffement climatique, la taxe carbone, la gouvernance des zones polaires s'ouvrant à l'activité humaine, les mécanismes économiques et financiers de la sortie de la crise et le désarmement nucléaire. Vous avez même été chargé par Nicolas Sarkozy de conduire le projet de grand emprunt national avec Alain Juppé.
Donc finalement, vous n'avez jamais été aussi à la mode. Hein. Vous n'êtes d'ailleurs pas du tout porté à vous occuper du passé, comme vous le disiez. Alors, ma question, vous vous dites mauvais marin, mais finalement, vous naviguez inlassablement de tempête en tempête. Hein. Aujourd'hui, on vous demande votre avis sur à peu près tout. Alors, pourquoi, hein, finalement, vous semblez être une figure emblématique qui surplombe comme ça le paysage politique? Est-ce qu'un homme politique est aussi polyvalent pour résoudre tous ces problèmes? Si vous voulez bien, avant de répondre à ça, je voudrais faire un tout petit retour sur ce qu'on disait avant. Vous m'interrogez comme des journalistes et vous avez tort. À ne regarder que des individus, on ne peut rien comprendre. L'action publique, c'est quand même un maniement d'idées et de concepts, et c'est largement collectif. Et si la France est un pays difficile, c'est que l'histoire lui a légué, à travers des accidents et des brutalités variées, des traditions pas très compatibles avec l'art de vivre en paix. Déjà à droite, il y en a deux presque antagoniques, l'une très césarienne, bonapartiste, centralisatrice, colbertiste, l'autre plus paysanne, plus rurale, plus décentralisatrice, plus anti-étatique, donc plus proche du capitalisme libéral tel qu'on le comprend aujourd'hui. Voilà pour dire que les affaires collectives encadrent les destins personnels. À gauche, d'une certaine façon, c'est presque pire. La France tient de son histoire un grand goût pour la division. Nous sommes un pays où on adhère peu. Et tant aux associations qu'aux syndicats. Nous avons 7,5% de syndiqués contre 70% en Suède et 50% en Allemagne. Ça fait quand même des structurations différentes. Et aux partis politiques encore moins. Pour tout dire, si on devait définir un parti politique comme une structure rassemblant des hommes et des femmes pour leur permettre d'élaborer des idées et de se battre ensemble pour ces idées, et en application de cette idée de présenter des candidats au suffrage universel au niveau local, départemental et national pour appliquer les idées en question, et qui représente 7 à 8% de sa clientèle électorale, c'est ce qui se passe dans le monde entier, il n'y a aucun parti politique en France. Il doit y avoir quelque chose comme 200 000, un peu moins, parce que ça, ils ne sont pas au beau fixe en ce moment à l'UMP, 130 ou 140 000 OPS, 850 000 sociaux-démocrates allemands, 350 ou 400 000 sociaux-démocrates autrichiens, 300 000 sociaux-démocrates suédois, et même dans la Belgique wallonne de 5 millions d'habitants, il y a 200 000 socialistes, d'où on est 120 000 pour 65 millions d'habitants. Il y a quelque chose de cassé quelque part. Ce quelque chose de cassé se colore d'une très grande division. Le phénomène communiste, qui a été mondial en gros, a marqué chez nous plus qu'ailleurs en cassant en gros la gauche. Mais, comme ce qui s'est cassé, c'était le Parti socialiste de l'époque, qui dans un vote s'est transformé en Parti communiste d'un seul coup. Et 20% furieux ont gardé la vieille maison reconstituée. Tout ça a laissé chez les socialistes français l'envie de retrouver avec les communistes, au moins pour gagner des élections. Trop de division, c'est l'impuissance. C'est bien que, cas unique dans toute l'Europe, le Parti socialiste de France a parlé marxiste, si j'ose dire, pendant l'essentiel de sa vie. En plus, nous sommes dans un pays très jacobin, très centralisé, le plus centralisé de tout le monde développé. Beaucoup plus centralisé que n'importe quel autre en Amérique du Nord ou au Japon, et surtout en Europe. Ce mariage du jacobinisme et du marxisme donne à la gauche française une coloration qu'on ne retrouve absolument nulle part ailleurs. François Mitterrand, sur le tard, a capté cet héritage, et ça ne l'a pas gêné d'en parler le patois. J'appartiens à la petite fraction de gens qui, depuis toujours, essayent de faire changer cette image et de déjacobiniser, décentraliser la gauche française. Je suis un des co-auteurs de la décentralisation,
de donner la priorité à la négociation sociale et au contrat plutôt qu'à la loi. Deuxième trait caractéristique. Et surtout, je récuse aussi ce qui a été longtemps un des signes de la gauche, qui était un anticatholicisme, un anticléricalisme absolument frénétique, que le huguenot que je suis n'avait pas partagé. Autrement dit, si vous voulez comprendre quelque chose, je suis à titre personnel un égaré dans une gauche française où je n'avais pas ma place. Au fond, je suis un socialiste suédois, paumé en France par hasard. Les antécédents, toujours pour bien comprendre, je vais vous citer deux listes de noms. La liste des chefs de la gauche socialiste depuis un bon siècle. J'appelle chef celui qui nomme les autres et qui écrit la doctrine. Le premier s'est appelé Jules Guesde. C'était l'introducteur d'un marxisme mal vulgarisé en France. Le second s'appelait Paul Fort. Tragique succession, on a oublié son nom, ça vaut mieux d'ailleurs, parce que vers la fin de ses jours, il a accepté la collaboration, il n'a pas pratiqué lui-même. Mais c'est lui qui a décidé que les 35 ou 40 000 conseillers municipaux du Parti Socialiste, qui s'appelait à ce moment-là SFIO, Section Française de l'Internationale Ouvrière, continueraient leur mandat sous l'occupation. Et c'est lui aussi qui a accepté qu'un des membres du parti devienne le ministre du Travail du maréchal Pétain. Après, il y a eu un chef nommé Guy Mollet, même caractéristique, on parle partout marxiste pour ne pas rendre définitivement impossible l'alliance électorale avec le PC. Et quand on parle patois marxiste, on ne peut rien comprendre à l'économie actuelle. On va probablement voir ça dans les affaires de tout à l'heure. Le dernier chef est François Mitterrand, qui est devenu chef du parti 2 jours après en avoir pris la carte, ce qui lui laisse donc une histoire et un apprentissage assez court des traditions de la maison et de ses problèmes. Et comme il voulait parler le patois de la légitimation, il a tué très délibérément les efforts de rénovation. Voilà la dynastie des grands chefs. Maintenant, il y a une deuxième dynastie, celle des gens que l'opinion publique a aimés et qu'elle a respectés, et qui étaient les grands. L'un s'appelle Jean Jaurès. Minoritaire, vaincu au moment de l'unité, puisqu'il s'est fait sous l'orbite marxiste, assassiné en plus, jamais ministre, immense ténor et immense savant des sciences sociales. Il a écrit une histoire de la Révolution remarquable. Grand esprit. Le second, on peut dire que c'est Léon Blum. Tout le monde le prend pour le chef de la gauche, il ne l'a jamais été. Tout le monde a oublié. Je vous parle en considérant que vous avez eu comme journaux principaux, comme lecture principale, la presse. Et la dérive ou le défaut journalistique, c'est de ne jamais s'intéresser à ce qui est collectif. C'est ennuyeux, il faut citer beaucoup de noms, c'est compliqué. Donc il ne joue que sur les personnes, et du coup, personne ne comprend rien. Du coup, par exemple, on a complètement oublié que jamais, 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 au grand jamais, le Premier ministre du gouvernement de Front Populaire, qui s'appelait Léon Blum, n'a appartenu à la direction du parti, qui s'appelait Commission administrative centrale, qui était faite de 5 membres, dont il n'a jamais été membre. Et lui-même était, sur quelques points, l'excès de centralisme jacobin, par exemple, l'intolérance vis-à-vis de l'Église et du clergé aussi, un peu sont-elles souffrent par rapport à l'orthodoxie de la majorité. Donc Jean Jaurès, Léon Blum, le troisième c'est Badès France, un parfait social-démocrate qui avait tellement compris ses règles du jeu, qui détestait tellement le patois officiel qu'il a lui-même jamais rejoint le Parti Socialiste. Il n'a rejoint que le PSU. Le PSU, c'est un petit moment de l'histoire, c'est simplement un parti autonome qui s'est créé par refus de la politique de la guerre d'Algérie menée par le Parti Socialiste. Nous sommes au moins 2 de visibles, Jacques Delors et moi, à être les descendants de ces hommes. Et mon destin, ce n'est pas d'être individu qui a joué au théâtre avec ses voisins dans le guignol de la politique où on ne voit que des personnages, c'est d'être le réveilleur de la part de vraie social-démocratie à la mode, scandinave ou néerlandaise ou anglaise, telle qu'elle n'a jamais en fait existé en France. Voilà, je vous
voulais citer ce point. Il y a des imbéciles qui ont mis mon nom, qui ont transformé mon nom en anisme. On parle de rocardisme, on parle de rocardien. C'est sympa, bon, c'est plutôt gratifiant, mais c'est assez idiot parce que ça coupe cette idée. Je suis un descendant de Jean Jaurès, moi. Je tiens à le dire très clairement. Et de Bindès. Delors et moi sommes largement des continuateurs. Alors c'est d'autant plus important de le comprendre que nous sommes en train de gagner intellectuellement. Le patois marxiste permanent de la gauche depuis un siècle et demi ne marche plus. C'est tellement vrai que nos dirigeants d'aujourd'hui, héritiers de ces traditions, ne les parlent plus. Mais ils n'ont pas encore la vraie tradition social-démocrate qui est une tradition de compétence, d'habitude et de qualification pour réguler, pour faire marcher une économie de libre entreprise, et surtout une habitude de négociation sociale et de dialogue social. Voilà, ma petite place à moi, c'est celle simplement d'un réveilleur. Alors, la question, c'était... Là, vous avez répondu à pas mal de choses. Hein. Je disais que vous étiez une figure emblématique actuellement. D'accord. Pourquoi est-ce que les hommes politiques aujourd'hui vous demandent-ils votre avis, à vous ? Ça, c'est très compliqué. Nous vivons une multicrise, on y viendra sans doute tout à l'heure. Vous alliez d'ailleurs rappeler pas mal de choses. Déjà, le chômage massif depuis 30 ans, le désordre bancaire et la menace d'un crack, ce qui est dû à d'autres raisons. Elle se télescope et s'aggrave, mais ce n'est pas les mêmes, c'est distinct. La petite sous-crise européenne dite des dettes souveraines, qui est une partie de la précédente, mais avec des causes spécifiques et propres à l'Europe. Le réchauffement climatique qui tombe là-dessus relève d'autres causes, relève d'un autre traitement, mais n'arrange rien naturellement et complique tout, même d'une certaine façon. Au milieu de tout ça, le monde change de poids central. Depuis 3 ou 4 siècles, il était commandé par l'Europe et l'Occident. Dans 20 ans, il sera commandé par l'Asie. Plus de la moitié du produit brut chinois, dans moins de 20 ans, sera fabriqué par la Somme, Chine, Inde, Japon, Malaisie, Indonésie, Singapour, Hong Kong, etc. Et la moitié du commerce mondial viendra ou ira là-bas. Ça s'ajoute au reste parce que c'est un peu terrifiant. Nous n'avons pas l'habitude. Nous ne savons pas comment réagissent ces gens, s'ils ont les mêmes cultures que nous, si on pourra s'entendre assez pour survivre côte à côte. Tout ça se mélange de manière un peu indistincte et s'aggrave mutuellement. Mais ça se combine avec autre chose, qui est une crise du pouvoir politique en démocratie. Elle se reconnaît à beaucoup de choses. D'abord, l'incivisme local, le manque de confiance dans les politiques, les abstentions aux élections, qui augmentent d'élection en élection. Les partis capables de gouverner, gauche comme droite, font maintenant pas plus du tiers des suffrages exprimés. Le reste se partageant entre l'abstention et le vote pour des partis en dehors de toute intention de gouverner, aussi bien le Front National, ou toute possibilité d'ailleurs, que le Front de gauche. À ça s'ajoute le fait que les malheureux politiques sont embarqués dans cette crise qu'ils ne comprennent pas. Parce que le fond de la crise, c'est au fond une crise des savoirs de l'économie. Cette discipline intellectuelle, c'est pas celle que vous avez choisie, heureusement pour vous. Vous êtes probablement tous, tel que je vous devine, en train de naviguer dans des univers à certitude mieux établis. Mais dans mon secteur, l'économie, on a eu l'effondrement d'un système de pensée, dont les règles du jeu qu'il proposait nous amenaient à la crise où on est. Et il n'y a plus de conseillers éclairés, il n'y a plus de recettes évidentes pour en sortir. Et les politiques sont un peu dans la situation de médecins, nous sommes des médecins de la société, sans que la science ait découvert le traitement des maladies, ni le vaccin, des maladies qu'on a à traiter. C'est ça qui nous arrive. Alors, dans ces conditions-là, les conditions minimales du respect, c'est-à-dire un savoir-faire relativement efficace et qui rend service, ont disparu. Et puis, ajoutez-y l'aggravation générale, la catastrophe des temps modernes, c'est l'omniprésence d'une presse absolument quotidienne
et dont l'impact sur nos fantasmes, sur nos tabous, sur nos façons de penser, passe beaucoup plus par l'image, un peu par le son, et de moins en moins par l'imprimé. Et à l'image, ni ce qui est de longue durée, ni moins encore ce qui est compliqué ne passe. Il ne passe que ce qui est émotif, dramatique, intense en affectivité, ce qui est de l'ordre de l'événement, du choc. L'explication du choc, c'est pour autre chose. Et puis l'image a une autre caractéristique, elle ne sait pas présenter des groupes de gens au travail. On prend les têtes une par une. C'est plus sympa pour l'écran. Donc on va faire jouer un rôle de clown ou de singe à tous ceux qui sont au pouvoir ou pas loin. La presse a pris l'habitude de faire parler les politiques, qui se laissent faire d'ailleurs, à mon avis ils ont tort, sur n'importe quoi, y compris ce qu'ils ne connaissent pas. Et naturellement, ça n'arrange pas le respect auquel ils peuvent prétendre. Dans toute cette affaire-là, je me trouve d'avoir une certaine longévité. J'ai tenu bon jusqu'à 82 piges, c'est déjà ça. Et en plus, j'ai pas trop raté mes coups. Un peu moins que certains collègues. Bon. Et troisièmement, quelques journalistes sagaces ont repéré que j'avais probablement menti un peu moins que la moyenne. Il ne me pas sûr du tout qu'on puisse faire de la politique en ne mentant absolument jamais. On ne peut pas, par exemple, faire une campagne électorale en annonçant des catastrophes, même si on sait qu'elles viennent. Parce que les autres votent en face et puis c'est terminé. Donc cette indisponibilité du public à accepter le discours de gravité empêche les politiques de le tenir. Et tout ça fait un mélange assez horrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques ont mauvaise cote et boivent un peu moins que les autres. Voilà la raison de cette omniprésence. Mais je ne crois pas qu'il y ait grand-chose d'autre. D'accord, très bien. Eh bien. Écoutez, merci beaucoup. Nous allons laisser la place à Antonin et Guillaume pour une phase de débat. Alors, juste avant de vous quitter, le temps qu'il s'installe, juste une petite question. Lorsqu'on vous dit que François Hollande a fait HEC, vous répondez « La substance de l'enseignement donné à nos étudiants en école de commerce ne leur permet pas de comprendre la crise, car c'est la macroéconomie qui permet avant tout de comprendre le problème ». Alors, puisque le public s'y prête, qu'est-ce qu'on peut dire des étudiants en école d'ingénieurs ? Je laisse la place à Guillaume. Qu'est-ce qu'on peut dire des étudiants en école d'ingénieurs ? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre et d'agir ? Et je laisse la place à Antonin et Guillaume. Merci à vous.